C'est du vent qui se renforce ce midi sur la Canoë. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable. Il fait frais. La température extérieure est à 15 degrés, comme l'eau. 15 degrés. La marée était haute à 11h20. Elle sera basse à 17h35 avec de petits coefficients de 57. Sur ce plein haut, tout début du descendant, le vent s'est renforcé au secteur nord-nord-est. Il y a trois beaux forts établis, des petites rafales à 4. Le plan d'eau commence à être un petit peu moutonneux sur le large. Au bord, c'est un peu clapoteux. Mais comme le vent est quand même side-off, les faces de vagues sont assez lisses. Et on a toujours cette houle qui est longue avec 13 secondes de période orientée ouest-nord-ouest. Une houle qui est encore plus sectionnée et multiplie que ce matin, qui est en atténuation mais qui reste encore assez solide. Il y a un bon 2 mètres aux séries. Voilà, un bon 2 mètres assez velu avec plein de pics dans les lignes. C'est peut-être un petit peu mieux que ce matin. Là, avec la marée qui est montée, on voit des vagues qui ouvrent un petit peu plus, mais ce n'est pas suffisamment régulier pour permettre aux surfeurs d'aller glisser. Preuve en est, point de surfeur à l'horizon. Évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va se tasser, mais gentiment, parce que la bouée arcachon est en légère baisse à 2,87 secondes, donc à 13 heures encore 2 mètres, un bon 2 mètres. Houle ouest-nord-ouest, 13 secondes de période, le vent au nord-nord-est, 3 à 4 Beaufort, et à 17h, 1,52 mètres. Houle ouest-nord-ouest, 13 secondes de période, vent nord-nord-est, 4,5 Beaufort, ça ne va pas s'arranger sur le descendant, le seul créneau favorable c'est maintenant, et c'est pas terrible. Je vous souhaite malgré tout un bon dimanche. On se retrouve demain matin à 7h50 pour le prochain bulletin. We'll be right back.